Bonjour, donc Yaakov Monsonego, le directeur de cette école depuis janvier 1991. C'était un collège et lycée de la 6e à la terminale, avec un internat depuis une vingtaine d'années, et qui reçoit des enfants de toute la France, et aujourd'hui particulièrement de Paris. Ce qui importe à Ortora Toulouse, c'est la réussite de chacun des enfants qui nous sont confiés, et de les amener au meilleur d'eux-mêmes. Nous sommes intimement convaincus que chaque enfant possède en lui un grand potentiel. Et il suffit de prendre le temps et d'aller chercher, même si en apparence on ne le voit pas toujours, ses qualités, ses aspirations profondes et les faire ressortir. Mon objectif à moi, c'est de leur donner du goût à la Torah, à son étude, qu'ils trouvent un sens dans le judaïsme et dans sa pratique. À Ortora, ma devise a toujours été de dire que, avant que ce soit une école juive, c'est un collège et lycée juif. Donc il faut d'abord respecter cet engagement qu'on a vis-à-vis des parents lorsqu'on propose un collège et lycée. Et on prend la responsabilité, on joue, ce ne sont pas en affaire à des enfants, à des futurs adultes. Et donc ça demande de la plus grande attention et de donner le maximum qu'on puisse donner pour que ce soit le meilleur collège, le meilleur lycée, le meilleur enseignement, la meilleure formation. C'est notre responsabilité. Les résultats sont effectivement au rendez-vous, puisqu'on a été classé dans le Parisien 2018, donc avril, je crois, 2018, comme étant le deuxième lycée de la Haute-Garonne et le sixième lycée de l'Occitanie. On accepte tout le monde, quel que soit le niveau. Et on va donner tout ce qu'on peut donner pour le faire réussir. Et nous avions des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'exemples d'enfants qui sont arrivés avec de grosses difficultés scolaires et qui aujourd'hui ont brillamment réussi, tant sur le plan familial que sur le plan professionnel. Oui, si je devais définir le projet de l'établissement, je dirais que ce qui importe pour nous, c'est le bien-être des enfants, leur épanouissement, avec une vraie ambition de réussir. Et tout cela aux côtés d'un judaïsme fort et authentique. Bonjour, je m'appelle Shirel Adjad, j'ai 11 ans et je suis en 6e et je suis dans le collège lycée Ortora. En fait, avant j'étais en école publique et c'est vraiment un grand changement le privé. Franchement, les professeurs ils sont super sympas et j'adore travailler dans cette école. Il y a une entente super entre filles et garçons, beaucoup plus qu'en école publique. Franchement, les professeurs, c'est top. Ils s'occupent beaucoup plus de nous. Ils sont beaucoup plus attentionnés avec les élèves. Ici, à Ortora, on a la chance de pouvoir manger kasher et de ne pas devoir rentrer tous les midis pour manger à la maison. On peut faire les mitzvot sans trop se cacher parce qu'on a peur des réflexions des autres. Et aussi j'ai commencé le Kodesh et je trouve ça super génial. J'ai appris à lire et à écrire super vite. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui n'est pas encore à une école juive, venez ici, c'est trop bien. C'est beaucoup mieux que dans les autres écoles, il n'y a pas photo, quoi. Bonjour, je m'appelle Aaron Nakache, je suis en seconde. Avant, j'étais dans un lycée juif à Lyon. Et maintenant, je suis à Ortora, qui est une très bonne école. Il y a de la complicité entre les élèves et les profs, surtout à l'étude du soir pour les internes.
Donc on peut réviser nos cours, faire des exercices et c'est toujours pour s'améliorer. Si j'avais à donner un conseil à quelqu'un qui n'est pas encore dans une école juive, c'est de venir au lycée hors Torah, car voilà, il y a une complicité entre les élèves et les profs. Et même concernant l'éducation juive, on a des cours de Kodesh tous les jours, la Tifila tous les jours. Et ce qui permet vraiment à rester dans la Torah et rester dans le chemin juif, des mitzvot et de la Torah.